C'était Saint-Exupéry qui dit « Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis ». Cette question-là, elle est vraiment fondamentale dans l'œuvre de Saint-Exupéry, et elle pourrait complètement changer nos vies, c'est-à-dire qu'on pourrait s'enrichir. Et l'idée, ce n'est pas de faire l'unité dans l'uniformité, mais l'unité dans la diversité, pour qu'on puisse tous croître ensemble et former une humanité qui constamment évolue vers toujours plus de grandeur. Qu'est-ce que c'est la transition écologique dans ce chemin entre Homo sapiens et Homo biosphérique? En fait, c'est la reconfiguration du métabolisme, puisque le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui permettent à une créature de vivre. Et donc, l'économie, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui permet à l'humanité de vivre. Et en fait, la transition, c'est de mettre le métabolisme au service du vivant. Et ça, d'ailleurs, c'est votre nouvelle mission au CJD, de mettre l'économie et les dirigeants au service du vivant. Et vous voyez bien qu'avec cette vision-là,